Chancel Mbemba attend son verdict à l'Olympique de Marseille. Kylian Mbappé réclame des primes impayées. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine et internationale de ce samedi 21 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Yasser Baldé. À quelques heures de la fermeture du mercato estival marocain, le Raja Casablanca passe la seconde. Frappé par une interdiction de recruter jusqu'à la levée de celle-ci, au dernier moment, le champion du Maroc a en effet annoncé une série d'officialisations vendredi dernier. Parmi elles, celle du néo-international guinéen Yasser Baldé aux quatre sélections qui vient renforcer la défense. Il s'engage librement après une erreur de casting, il faut le dire ainsi, en signant à Ratchaburi FC en Thaïlande, d'où il a pris la tangente quelques semaines seulement après son arrivée le 7 juillet dernier et un seul match disputé en Thaï League. Bah oui, il rejoint ainsi donc la cohorte de nouvelles arrivées, de nouvelles recrues tardives, y compris l'éphémère international sénégalais Pape Ousmane Sarro, une cape passée par QRM en France et vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF avec Simba SC en 2022. Enchaînons avec Michel Dussier. Comme pressenti ces derniers jours, la Fédération guinéenne de football FGF a fait appel justement ce samedi à un troisième sélectionneur. Tenez-vous bien, en l'espace d'un peu plus d'un mois après Kaba Diawara, limogé début août suite au couac justement aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Charles Paquier avait pris le relais sans convaincre justement et le Sili national a débuté les éliminatoires de la CAN 2025 par deux défaites contre la République démocratique du Congo 1-0 et la Tanzanie 1-2. Comme pressenti, le technicien intérimaire n'a donc pas été reconduit et la FGF a annoncé ce samedi à l'occasion d'un point de presse que Michel Dussuyer va lui succéder. Déjà passé par le banc de la Guinée de 2002 à 2004, puis de 2010 à 2015, le Français de 65 ans avait été nommé à la tête du directoire transitoire chargé de la gestion technique du Sili A, désigné en août dernier. L'expérimenté technicien hérite finalement du poste de sélectionneur. Dussuyer sera assisté de deux adjoints, un local avec Mamadou Bouya Sila, ex-coach de la Guinée A' ou encore du Milo FC, et le français Alain Ravera, qui a notamment été adjoint à Rennes 2007-2009 et Saint-Étienne 2017-2018. Le trio débutera par une confrontation, double confrontation contre l'Éthiopie les 6 et 14 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. La suite de cette édition avec le tout-puissant Mazembe en position très favorable après sa victoire 2-0 à l'aller. Le tout-puissant Mazembe a terminé le travail contre Red Arrows 2-1 ce samedi à Kamalondo dans le cadre du deuxième tour préliminaire retour de la Ligue des champions africaines. Parfaitement lancé par un missile de Zosé Zemonga 10e, les corbeaux de Lubumbashi n'ont pas vraiment douté, même s'ils ont progressivement baissé pied et que Mawaou a provoqué un pénalty qui a permis à Banda d'égaliser en faveur des Zambiens 73e. Les Congolais conservaient toutefois une série de deux buts et Louis Ochanga a définitivement assuré la qualification en poussant le ballon au fond des filets sur un duel perdu par Kouabit pour entériner la victoire 85e. Après les Algériens du CR Belouizdad de la veille, le TP Mazembe est le deuxième club qualifié pour la phase de groupe en attendant les prochains résultats. Nous poursuivons avec Chancel Mbemba. La commission juridique de la Ligue professionnelle de football LFP a statué vendredi sur le dossier Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. À l'heure actuelle, aucune des deux parties ne se fait plus confiance concernant l'échange houleux avec Zarak. La commission a réduit la retenue de salaire infligé aux joueurs de 10 à 6 jours en respect du règlement intérieur olympien, informe la Provence. À ce sujet, Chancel Mbemba reconnaît avoir appelé le technicien cousin, mais nie les doigts d'honneur supposément adressés au coach et au président par rapport à la seconde mise à pied, jugée abusive justement par l'entourage de celui qui est surnommé demi-dieu sur la Canebière. La commission a contraint l'Olympique de Marseille à réintégrer le natif de Kinshasa au groupe pro tant qu'il n'est pas licencié prochainement.
prochainement pour faute grave. Et donc un entretien est programmé entre le quatrième de la CAN 2023 et sa direction lundi prochain, révèle La Provence, lequel entretient justement, à la suite de quoi le club rendra sa décision après 48 heures. Pour rappel, cette seconde mise à pied a été prononcée suite au refus de Chancel Mbemba de réaliser des examens médicaux effectués par les médecins du club en début de mois et à son retour justement de sélection en vue d'une opération souhaitée par le club. En revanche, le Léopard de la République démocratique du Congo aurait effectué une IRM en début de semaine à Strasbourg sous la houlette de son médecin en sélection et celui-ci n'aurait rien révélé, excepté justement une vieille lésion au ménisque connue depuis son passage à Porto et décrite comme asymptomatique. Dans l'entourage du joueur, la méfiance est de mise puisqu'on craint justement d'être floué par la bande de Mehdi Benatia. Comme expliqué par La Provence, le clan du Léopard a fait le rapprochement entre sa mise à pied et le recrutement d'Adrien Rabiot. Ce dernier redoute une résiliation de contrat afin de libérer la masse salariale. Ce scénario, moins probable justement selon le média, déboucherait sur une longue bataille judiciaire puisque Chancel Mbemba estime être dans son bon droit de se faire occulter ou bien ausculter par le médecin de son choix, comme le stipulerait son contrat. Affaire à suivre. Nous terminons avec Kylian Mbappé. Décidément, les suiveurs du Paris Saint-Germain ne sont pas du tout tendres avec le capitaine tricolore, toujours en conflit avec son capitaine, en tout cas son ancien club, en raison de salaires et de primes impayées. Kylian Mbappé demande toujours 55 millions d'euros à son ancien club, même après ses premiers mois au Real Madrid. L'ancien président de la République de la France, Nicolas Sarkozy, grand habitué du Parc des Princes, est fan du Paris Saint-Germain, a indiqué ne pas avoir aimé comment la star madrilène a quitté le club de la capitale. Kylian a donné 7 ans au club, on ne doit pas l'oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu'il ait eu des envies ou bien qu'il ait eu envie de partir. Je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l'a mise en œuvre. Mais c'est son choix, a averti l'ex-chef d'État dans les colonnes du Parisien avant de se montrer enjoué par le projet actuel. Il était sans doute venu le temps de rappeler que le jeu collectif prime sur la qualité d'un joueur. C'est l'exacte philosophie du coach actuel. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.